Lettre de Franz Kafka à Milena. Je suis vraiment d'une prodigieuse bêtise. Je lis un livre sur le Tibet, la description d'une petite colonie dans la montagne à la frontière tibétaine me rend soudain le cœur lourd. Ce village perdu, si loin de Vienne, cette solitude désespérée. Ce que je trouve bête, c'est l'idée que le Tibet est loin de Vienne. Est-ce si loin? F. Paris, 12 juillet 1980. Cher Valère Novarina, c'était un heureux hasard de vous rencontrer chez Cérès Franco. Et le dimanche 22 juin, la longue fête à France Culture, je l'ai trouvée excellente, très étonnante et régalante. Les séquences de musique m'ont paru de même farine que les musiques que j'ai faites moi-même naguère. Votre idée, qu'on est jeté non dans un monde mais dans une langue, que c'est la langue et non un sang qui coule dans nos veines, et on ne peut plus fonder. Reste à tirer parti de ce faux sang. Vous y excellez. Amitié, Jean Dubuffet. Très court, 20 août 1980. Carte postale de Lulin, Haute-Savoie, altitude 800 mètres, panorama de la route du col du Feu. Cher Jean Dubuffet, votre lettre m'est bien parvenue et m'a fait un immense plaisir. Je suis très heureux que vous ayez été attentif à mon théâtre des oreilles, à la radio. Isolé dans la montagne, je reprends mes durs travaux d'écriture. Les quelques voix amies qui commencent à se faire entendre me soutiennent. De ma fenêtre, je vois Lausanne, et j'envoie à votre musée de l'art brut des signaux fraternels, avec toute mon amitié, Valère Novarina. Lettre de Gustave Flaubert à Guy de Maupassant. Croisset, 31 octobre 1877. Comme je suppose que vous n'êtes pas mort, car entre parenthèses, vous êtes un joli cochon de ne pas me donner de vos nouvelles, je vous prie de me rendre le service suivant. J'ai besoin d'une falaise qui fasse peur à mes deux bonshommes. Je l'ai cherchée tout l'après-midi aux environs du Havre. Mais ce n'est pas ça. Il me faut du calcaire à pic comme les falaises de Fécamp et d'Etretat. Vous devez connaître ces parages à fond. Donc donnez-moi une description de toute la côte, depuis Barneval jusqu'à Etretat. J'aurais préféré que Bouvard et Pécuchet commençassent leur promenade géologique au Havre, mais c'est impossible, parce que déjà ils ont vu des falaises analogues. Après une dissertation sur la fin probable du monde, amenée par un cataclysme, il se monte le bourrichon. Deux ou trois cailloux s'éboulent, alors une terreur panique les empoigne et ils foutent le camp. L'un d'eux se perd dans une valeuse. Voilà ce qu'il me faut. Je me fie à vous, comptant sur une réponse immédiate. Ces renseignements arrivés, je n'aurai que 3 ou 4 pages pour avoir terminé mon chapitre des sciences. Là-dessus, je vous embrasse, votre vieux Gustave Flaubert. Réponse de Maupassant à Flaubert. Paris, ce 3 novembre 1877. Si je ne vous ai point écrit plus tôt, mon cher maître, c'est parce que j'espérais pouvoir aller vous voir de semaine en semaine. Mes finances ne m'ont point permis d'entreprendre ce petit voyage. Je vais tâcher de réparer mes torts par une description exacte, accompagnée de plans, pour vous faire bien comprendre le pays qui est fort compliqué. D'abord, vous ne pouvez faire partir vos bons hommes de Bruneval pour aller à Etretat, parce qu'il existe entre Bruneval et Etretat une pointe fort avancée dans la mer et que je n'ai jamais pu franchir à pied. Quoiqu'on prétende que dans les plus fortes marées la chose soit possible, mais je la tiendrai pour douteuse tant que je ne l'aurai pas faite. Or, après Bruneval, en allant vers Etretat, il existe une fort jolie plage, celle d'Antifer. On y arrive des terres par une petite vallée dont la naissance se trouve près du Tilleul sur la route du Havre. Maupassant décrit le chemin d'arrivée à la plage et la falaise au pied de laquelle elle se trouve de façon très détaillée avant d'en arriver au lieu choisi. Là, on est à mi-chemin entre la pointe de la courtine et la manneporte, enfermée dans un amphithéâtre de falaises, droite, haute de 100 mètres et dont les sommets dentelés ont des bizarreries de forme de toute espèce et de perpétuelles menaces d'éboulement. L'endroit est solitaire et sinistre quand le ciel est un peu sombre. On se trouve surtout isolé, séparé des autres par cette muraille de falaises en demi-cercle dont la mer bat les deux pointes. Excellente place pour la conversation de vos bons hommes, là, qui peuvent craindre tout à coup, en dehors des éboulements fréquents en ce lieu, de se voir la route fermée devant eux par la marée montante. Maupassant, qui précise encore un grand nombre de détails, imagine comment Bouvard pourrait risquer de se noyer et retournerait sur ses pas, contrairement à Pécuchet. Voilà ce qui les séparerait. Réponse de Gustave Flaubert à Guy de Maupassant. Croisset, 5 novembre 1877. Mon cher ami, vos renseignements sont parfaits. Je comprends toute la côte entre le cap d'Antifer et Etretat comme si je la voyais. Mais c'est trop compliqué. Il me faut quelque chose de plus simple. Autrement, ce seront des explications à n'en plus finir. Songez que tout ce passage de mon livre ne doit pas avoir plus de 3 pages, dont 2 au moins pour le dialogue et la psychologie. Paris, samedi 2 mars 1867, à Georges Sand. Cher maître, que devenez-vous donc? On prétend que vous êtes toujours malade? Vous verra-t-on à la première de Dumas? Le père Sainte-Beuve a été splendide au dernier Mani, lequel était orné d'un Américain qui est, je crois, de vos amis. Vous savez que mon pauvre Bouillet a perdu sa mère? J'ai été le voir aujourd'hui à Mantes et l'ai trouvé brisé. J'aurais tant de choses à dire sur le coq aux cheveux d'or de votre fils, qui en est à lui-même de coq, que je préfère vous communiquer de vive voix ce que j'en pense. Autrement, il me faudrait écrire une lettre de grand homme, ce qui serait très sot. Quel froid! On est coupé en 4. Il m'ennuie de vous et je vous embrasse tendrement, votre vieux Gustave. Ah, les bruits les plus contradictoires circulent sur votre pièce. On affirme d'autre part que l'on reprendra Villemer pendant l'exposition. Je continue à écrire un peu, mais ce qui m'occupe surtout, c'est la révolution de 48. Collet, Croisset, lundi soir, 13 mars 1854. Il m'est arrivé aujourd'hui ce qui ne m'est pas advenu depuis bien des années, c'est de faire toute une page dans ma journée. Je l'ai écrite depuis 8 heures jusqu'à maintenant minuit. Décidément, je prends le parti de me coucher plus tôt. J'ai besoin de temps à autre de bosses de sommeil. Et aujourd'hui, que j'avais dormi la nuit dernière 12 heures d'aplomb, je me suis senti frais et gaillard. Jeune, enfin, c'est tout dire. Ça va marcher, j'espère, quitte à retomber après dans la morte eau, comme disent les marins, car je ne vais jamais d'un train égal en rien. Ma volonté seule suit une ligne droite, mais tout le reste de mon individu se perd en arabesques infinies. C'est un mal du diable pour redresser toutes ces courbes, amincir ce qui est trop gros et grossir ce qui est trop grêle. Tel Aviv, le 13 novembre 2018. J'entends des enfants crier en jouant dans la cour et les pas d'un homme casqué au-dessus de ma tête. Je vis sous les toits. Il s'apprête à descendre en rappel avec un pot de peinture et des bruits de perceuse provenant de l'immeuble voisin. Et je réalise, pendant que ça klaxonne dans la rue et que l'ascenseur monte, combien l'enfance s'efface. Et cela aussitôt écrit que voilà les moineaux venus chercher leur pitance sur le balcon, sous les railleries du corbeau posté sur l'antenne, et le filtre de l'aquarium de ma fille qui se met à grésiller. Et j'entends de l'eau couler aussi, et une sirène de police entre des coups de marteau, et des voitures et des motos passer. Et je sais qu'à quelques centaines de kilomètres d'ici à peine, se produisent des explosions, et que des mères moins chanceuses que moi écoutent impuissantes leurs enfants pleurer d'effroi. Et soudain, 3 secondes de silence total glacent l'air, qui s'engouffre dans mon oreille et paralyse ma main et mon cœur. L'oreille affolée cherche la mer, qui n'est qu'à 10 minutes de marche, mais qui ne se fait pas entendre. Cherche la forêt, au murmure tranquille de Chateaubriand. J'entends et je n'entends rien. Je vois et je ne vois rien. J'écris et ça ne sert peut-être à rien, car la guerre c'est la guerre. Mais j'écris quand même, car il me reste encore de la place au dos de cette carte postale dont j'ai oublié la provenance. J'écris de plus en plus petit, comme si ma vie en dépendait. J'écris, et je ne m'arrêterai qu'une fois arrivé au bord du ravin. J'écris, sans quoi nous mourrons tous sur place. Et je vous embrasse à la fin. Sabine Mine. Je vous écris d'un pays lointain. La nuit tombe sur la salle, et la pluie dessine de fines griffures sur les vitres. Ma main glisse sur son ombre, sans pouvoir finir. Je vous écris d'un pays lointain. Nous cherchons le proche entre les mots, et nous ne sommes pas toujours seuls. Mais ici, sur les tables de la bibliothèque, entre les pages de millions de livres, les peaux sont très silencieuses, et le jardin incertain, rempli de troncs sans odeur. Je vous écris d'un pays lointain, à l'adresse d'une espérance imprécise, mais persévérante. Quelqu'un m'apporte une clé, il faut partir, mais nous reviendrons. Respirer l'air nu des pages et continuer, avec amitié, en partage, Sereine Berlotier. Un mur blanc percé d'une fenêtre qui laisse voir l'intérieur de mon placard, avec sa fenêtre qui donne sur le jardin, où on voit le pommier et le pêcher dans le jardin des voisins, le toit de la maison de leurs voisins à eux, et au-delà, un palmier sur fond de ciel bleu. Un azulejo de Séville en vert, rouge décoloré, bleu et blanc, imitation d'un zélige marocain, surmonté d'un bout de papier portant l'inscription « Who needs poetry ?» Un petit tableau carré, mélange d'abstraction et de figuration, en couleurs claires et vives, qui font écho à celle de la Soule-et-Chaux. Une petite bouteille bleue, qui contenait autrefois du saké, posée sur un plateau en faïence blanche, une table de travail en bois clair, boulot en principe, une carte postale, où j'écris ces mots. Guy Bennett, Redondo Beach. Lettre de Guillaume Apollinaire à Pablo Picasso. Monsieur Pablo Picasso, Provincia de Lerida par Solsona en Gosol, Casa Tantanada, Espagne. 12 juin 1906. Mon cher Pablo, bien des événements qui se sont succédés ces temps derniers m'ont empêché de t'écrire. Mais toi, quel prétexte peux-tu invoquer? Tu es libre? Tu jouis d'un climat agréable? Tu es heureux et tu aurais dû trouver le temps pour m'écrire, ou tout au moins Fernande m'aurait fait plaisir en me donnant de vos nouvelles sur une carte postale. J'ai reçu ta lettre, le dessin était délicieux, et c'est un de ceux que je préfère. Je pense que tu as reçu la carte que nous t'expédiâmes de concert avec Max le soir de ton départ. Le lendemain, tu dus en recevoir une datée de Chelles, portant les signatures de mon frère et de Salmon. Depuis, je t'ai adressé une lettre avec une adresse descriptive et fort précise, car Manolo prétend que ton père portant le même prénom que toi s'empare de ta correspondance. Manolo catalan anticatalaniste est un peau-rouge errant sur une chaude piste. On m'a dit que tu devais être fort heureux dans tes montagnes et que la population y est très tranchée, gens excessivement bien ou crapules immondes, pas de milieu. À Madrid, à Burgos et dans la Catalogne, les gens sentent la merde ou bien l'eau de Cologne. Voici, je termine ma lettre en t'embrassant. Maurice m'a dit que Sago est très emballé par toi. Il faut le faire marcher. Mes hommages et amitiés à Fernande. Demande-lui de m'écrire une lettre hispano-culinaire qui m'intéressera fort. Je reste ton ami très fidèle, Guillaume Apollinaire. 8 boulevard Carnot, Le Vésinet, Seine-et-Oise. Lettre de Fernand d'Olivier à Guillaume Apollinaire. Señor Don Guillermo Apollinaire, 8 boulevard Carnot, Le Vésinet, S&O, Francia. 21 ou 22 juin 1906. Cher ami Guillaume Apollinaire, je vous avais déjà écrit il y a 2 jours, mais dérangé, je n'avais pu continuer cette lettre. Ainsi, faites comme si vous aviez déjà reçu une lettre avant-hier et considérez celle-ci comme une de plus. Et dites encore, après cela, qu'on ne vous donne pas de nouvelles. Cela n'était guère juste, en somme, et puis Pablo ne voulant pas écrire, que voulez-vous que j'y fasse? D'abord, il ne faut pas dire que nous jouissons d'un heureux climat. Cela serait le plus impudent mensonge que vous ayez fait jusqu'ici. Il fait, ou du moins pour rendre honneur à la justice, il faisait un froid presque intolérable jusque hier, un froid tel que je conservais manteau et fichu toute la journée. De plus, il pleuvait tout le temps, et je vous prie de croire que la pluie ici n'est pas ordinaire. Quand il pleut, le village est inondé, et je vous assure que de plus vaillants que moi seraient intimidés par le bruit de la foudre dans ces montagnes énormes, par les éclairs, et enfin tout ce qui accompagne le tonnerre en général. Et l'écho, oh, l'écho, cela m'embête extraordinairement. Quant aux recettes culinaires, que vous en dirais-je, sinon qu'elles sont très peu variées. Figurez-vous tous les jours une espèce de puchero au mouton, aux saucisses noires et détestables, à la pilota au lard rance. Tout cela, je n'en mange jamais, me contentant de trumfus et cols qui sont bien préférables à la carne. Avec cela, vous avez une idée de la variété des mets ici. Bueno. On mange aussi des espèces de rats à longue queue, accommodés de façon spéciale. Si vous tenez à en avoir la recette, faites-m'en part. Je vous la donnerai tout au long, dans une prochaine lettre. Ah, on mange aussi, et à tous les repas, de la chicorée qui est du pissenlit, ainsi qu'à Barcelone, de la laitue qui est de la romaine. Mais hélas, ni tomates, ni piments, ni olives, ni rien de ce qu'on dit être très espagnol, pas de fruits du tout. Les premiers fruits ici font leur apparition en août. Je pourrais par exemple vous expliquer comment se fait le fromage de brebis, ou le saucisson d'échine de porc, ou le counil à l'aioli, mais cela serait trop long. Le paysage, des montagnes devant, des montagnes derrière, des montagnes à droite, des montagnes à gauche, et encore des montagnes, entre tous ces points, des espèces de landes, d'ajoncs, de genêts, dans lesquels poussent des têtes de chiens morts, et non seulement de chiens, mais de mules, d'ânes, de moutons, de chèvres, des pierres en trop grande quantité, et des ruisseaux en moins grande quantité. Je pense, en rentrant à Paris, imiter dans la perfection le cri de l'âne, qui braie, ou de la mule, etc., etc. Il ne se passe pas ici 30 secondes sans que résonne ce cri d'émotion de l'âne qui, en général, aperçoit une ânesse, et c'est d'une émotion. En somme, c'est assez joli ici, et s'il continue à faire la température d'aujourd'hui, ce sera parfait. Mais s'il recommence à faire froid, je crois que nous aurons bientôt le plaisir de nous revoir. Malgré ce que ce manuscrit vous fera penser par sa longueur, ne croyez pas que je vous en veuille, et considérez-moi toujours comme une très bonne amie. Affectueusement, Fernande. Bonjour, mon cher ami Guillaume. Yété en brase est précisément sur ton nombril. Picasso. Yété envoie quelques petits dessins. Très amis, Apollinaire et Picasso échangèrent au moins une lettre par mois entre 1905 et 1918. Lettre d'Henri Michaud à René Tavernier. Mai 1944. Mon cher Tavernier, comme je vous connaissais mal, ainsi, malgré votre allure évasive, vous êtes un travailleur, et un de ces damnés travailleurs qui asticotent les autres pour qu'ils travaillent aussi. Un jour, c'est un article que vous me demandez. Le lendemain, c'en est un autre, ou un poème, ou ce que je pense de ceci ou de cela. Puis, on veut me faire diriger une revue. Puis, on m'envoie un homme collaborer avec lui à un livre. Mais quand croyez-vous donc que je ne fais rien? C'est pourtant ce qui m'arrive heureusement de plus ordinaire et de plus parfait. Déjà, vous avez détruit ma réputation de sage étendue toute la journée sur son lit. Abandonnons-la, puisque je ne la mérite plus. Mais je vous en prie, laissez-moi encore un peu celle d'un homme qui travaille par inaction. Amicalement à vous, pas au dangereux directeur de la revue Confluence, et mon hommage à votre femme. Henri Michaud. Lettre de Simone de Beauvoir à Nelson Algren. 10 mai 1950. Nelson, mon amour, je veux vous écrire une lettre d'amour, ce dont je n'abuse pas, non plus que des télégrammes, car je sais que vous ne les aimez pas beaucoup. Mais je n'ai pas oublié quel ange vous avez été l'an dernier quand j'ai désiré aller à Amalfi. Allons-y pour me faire plaisir. Bon, d'accord, avez-vous acquiescé. À moitié contrarié, mais avec un gentil sourire. « Eh bien, j'écris pour me faire plaisir. Je vous aime si fort. Il faut que je vous le dise. Pourquoi m'interdirais-je un peu de sotte sentimentalité ? Peut-être à cause de la date, 10 mai, peut-être à cause du printemps parisien, pareil à ceux d'autrefois, ou de la photo de l'écureuil, peut-être à cause de vos lettres. Un peu de folie m'habite, comme parfois dans vos bras, par temps orageux, quand je vous aime trop et que vous dites « En voilà du propre !» Ô Nelson, je pleure comme le 10 septembre, quand vous avez pris l'avion. Est-ce de joie ou de peine, parce que vous vous rapprochez, 2 mois, 6 semaines, ou parce que vous êtes tellement loin ? Ce soir, vous dire la force de mon amour paraît essentiel, comme si je devais mourir au matin. Vous pouvez me comprendre, je le sais, bien que soi-disant vous ne perdiez jamais la tête, que vous gardiez soi-disant tête et cœur froid et ordonné. Assez d'absurdité. Pleurer de loin est mauvais. S'il vous plaît, Nelson, essayez de sentir, de connaître l'intensité de mon amour. Je souhaite ardemment vous donner quelque chose qui vous rende heureux, qui vous fasse rire. Je vous veux, et je veux que vous le sachiez. Que vous sachiez combien merveilleux et beau vous êtes dans mon cœur, et que ça vous fait plaisir. Vous m'avez donné bonheur et amour, jeunesse et vie. Pour vous remercier suffisamment, il me faudrait être heureuse, aimante, belle, jeune et vivante pendant 10 000 ans. Et tout ce que je peux faire, c'est pleurer dans ma lointaine chambre. Mes bras resteront froids, eux qui ont tant besoin de vous communiquer leur chaleur. Ça va être si long avant que je m'abolisse dans vos bras. Personne ne vous a aimé, ni ne vous aimera comme je vous aime, sachez-le. Oh Dieu, en voilà du propre. Oubliez tout ça si ça vous offense. C'est sûrement la plus belle lettre que je vous ai jamais écrite. Mon cœur souffre ce soir, il souffre. Je ne dormirai pas. Après tout, rien dans ces lignes n'est insultant, n'est-ce pas? Nelson, Nelson, votre Simone. « 1948. Cher Monsieur Rossellini, j'ai vu vos films « Rome, ville ouverte » et « Paysanne » et les ai beaucoup appréciés. Si vous avez besoin d'une actrice suédoise qui sait très bien parler anglais, qui n'a pas oublié son allemand, qui n'est pas très compréhensible en français, et qui en italien ne sait dire que « ti amo », alors je suis prête à venir faire un film avec vous. Ingrid Bergman. 'Réponse de Roberto Rossellini, Hôtel Excelsior, Rome. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens de recevoir votre lettre. Elle me parvient le jour même de mon anniversaire et en est le plus beau cadeau. Ce qui est sûr, c'est que je rêvais de faire un film avec vous et qu'à partir de maintenant je ferai tout mon possible pour que cela arrive. Je vous écrirai une longue lettre afin de vous soumettre mes idées. De concert avec mon admiration la plus fervente, je vous prie d'agréer l'expression de ma gratitude ainsi que celle de mes sincères salutations. Deux lettres de Gérard de Nerval à Théophile Gautier. Le Caire, 2 mai 1843. Mon pauvre chat, c'est bien au Caire que je suis, au Grand Caire, et non ailleurs, près du Nil et des pyramides. Eh bien, ce n'est pas mal, mais le lieu n'a point de charmes inépuisables, et voilà pour le moins 2 mois que tu me manques essentiellement. Depuis le départ du consul, J'ai cessé de voir la presse où tu me parlais un peu, bien peu, toi-même. Puis, je n'ai reçu aucune lettre. Je compte en trouver à Beyrouth. Il est vrai qu'ici, il faut en écrire 3 pour qu'une arrive. Ce doit être la même chose réciproquement. Je voudrais tâcher de ne pas te décrire le pays. Comme tu dois y venir et en parler probablement beaucoup mieux que moi, il importe que tu n'en aies pas d'avance des idées trop vraies. La ville des 1001 nuits est un peu dégradée, un peu poudreuse. Pourtant, il y a encore quelque chose à en faire. Ce qui est triste, c'est la pauvreté de la population. Tu as bien fait de mettre le Caire en balai avant de le voir. Lettre ouverte à Théophile Gautier, publiée le 7 septembre 1843 par le Journal de Constantinople. Moi, j'ai déjà perdu, royaume à royaume et province à province, la plus belle moitié de l'univers. Et bientôt, je ne vais plus savoir où réfugier mes rêves. Mais c'est l'Égypte que je regrette le plus d'avoir chassée de mon imagination, pour la loger tristement dans mes souvenirs. Oh, reste à Paris, et puis ce succès de ton ballet se prolonger jusqu'à mon retour. Je retrouverai à l'opéra le Caire véritable, l'Égypte immaculée, l'Orient qui m'échappe, et ta souris d'un rayon de ses yeux divins. Heureux poète, tu as commencé par réaliser ton Égypte avec des feuilles et des livres. Aujourd'hui, la peinture, la musique, la chorégraphie s'empressent d'arrêter au vol tout ce que tu as rêvé d'elle. Les génies de l'Orient n'ont jamais eu plus de pouvoir. Ceci est un présent d'un petit monde éloigné, un témoignage de nos sons, notre science, nos images, notre musique, nos pensées et nos sentiments. Nous tentons de survivre à notre époque afin de pouvoir vivre dans la vôtre. Nous espérons qu'un jour, après avoir résolu les problèmes qui nous font face, nous rejoindrons une communauté de civilisation galactique. Cet enregistrement représente notre espoir et notre détermination ainsi que notre bonne volonté dans cet univers si vaste et génial. Jimmy Carter, 39e président des États-Unis. Lettre écrite le 16 juin 1977, déposée au sein de la sonde Voyager 1, après son lancement, et destinée à une éventuelle civilisation extraterrestre susceptible de trouver la sonde. Come on now, be good boy. Be good boy.